Bonsoir, nous sommes mardi 14 février 2023. Je voudrais contester publiquement à nouveau contre Caroline Christa Bernard, qui semble faire la politique de l'autruche et qui continue sa vie comme si de rien n'était, avec une pomme de pain entre les fesses. Elle fait sa précieuse en donnant des cours d'histoire, de mode, sur les parfums, sur la poésie, la culture, la valeur de la France, alors qu'elle me discrimine depuis 2019 en privé et sur les comptes Facebook et Messenger de mon compagnon. Elle m'assimile aux assassins du Bataclan et me dénationalise de mon pays, la France, que ça te plaise ou non. Malgré que j'ai du sang tunisien et polonais, tu ne peux pas me radicaliser avec tes djihads, t'as compris, espèce d'idiote? Alors je te demanderai de retirer tes écrits parce que je ne te lâcherai pas. Mon combat, c'est que ces écrits soient retirés avant que tu décèdes. Tu les retireras, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le droit de me discriminer, que tu sois juriste ou mythomane. Parce que c'est pas normal que tu te fasses passer pour une bonne femme de charité. Tu es une diablesse. Tu es indigne de Dieu. Tu vas être puni par Jésus-Christ parce que tu t'en prends après une chrétienne, t'as compris? T'arrêtes de t'en prendre après moi. Et t'arrêtes de dire des saloperies à mon encontre. Je commence à en avoir sérieusement marre. Je crois m'être exprimé assez souvent. Il est évident que je n'ai pas accepté à vie, pour ton plaisir sadique de jalouse, raciste, psychopathe, ton rabaissement social que tu m'infliges avec toutes ces diffamations qui me visent pour la vie. Ça non, je refuse. Et je ne suis pas du djihad. Mets-toi bien ça dans ta petite tête, t'as compris? Ça va trop loin ce que t'exerces depuis 2019 et 2021 publiquement. Que ce soit en privé ou publiquement, ou sur des pages de mon ami Fabrice Chichin, ou après que tu sois passé sur LCI, t'as fait ton caca nerveux, t'as dit que j'ai une sale gueule d'arabe et qu'on n'en veut pas de cette sale merde dans notre existence. Faites-la soigner, c'est toi, je te dis d'aller te faire soigner. Ton père, il a voulu tuer ta mère avec un couteau, il paraît. T'en fais la pub? T'as peut-être des problèmes psychologiques, faut peut-être que t'ailles te faire réviser mentalement. La clinique psychiatrique se rapproche à toi, je pense. Donc tu vas retirer tous tes écrits, parce que je vais faire en sorte que tout soit retiré avant que tu décèdes. Ça, tu ne vas pas me faire accepter qu'on me dise qu'elle retourne au bled de la Tunisienne, qu'elle ne vienne pas nous faire chier chez nous, qu'elle reparte faire le ménage chez ses ancêtres, encore une belle salope qui défend et veut imposer cette merde verte de courant. Mets pas les pieds en Tunisie, ne mets pas les pieds au Maroc, ne mets pas les pieds en Algérie, dans tous les pays du soleil. Parce que tu risques de te faire agresser. Moi, je ne tairai pas. N'oublie pas, faux raciste, que tu vas discriminer, que c'est normal que publiquement je ne me laisse pas faire. Tu m'as discriminé, diffamé. En privé, publiquement, et tu m'as fait des menaces et tu te sers des attentats du Bataclan, des victimes et des familles des victimes, pour te faire valoir, pour te faire une notoriété et te créer une pub. T'as pas honte? Tu n'es pas sincère. Ça, je le dénonce publiquement. Et ton avocat, Maître Frédéric Pichon, il est indigne de sa profession, il mériterait d'être à poil, il mériterait de perdre sa robe noire, parce que quand même, il est complice avec toi, il le savait très bien que tu me discriminais. Il n'est pas digne de te défendre. Tu me salis. Et tu as une mentalité sale qui consiste à viser les sans pluriels. Je ne veux plus voir ces écrits, je ne veux pas me contenter à vie de voir cela. Je ne suis pas riche pour prendre un avocat spécial pour faire retirer la discrimination publique que tu m'infliges à vie. Alors moi je demande de l'aide si quelqu'un m'entend, une personne importante, un député qui milite contre l'extrême droite, le racisme dont cette femme fait partie. Si cette personne pourrait m'aider à faire retirer ces menottes sociales injustes que l'on m'inflige. Une personne bien placée, parce que là je commence à en avoir ras-le-bol. Je n'ai pas à vivre avec ça jusqu'à ce que ça me tue physiquement. Et mentalement je suis assez exténuée malgré que j'ai une force de caractère. Ça n'empêche pas que je suis quand même fatiguée. J'en ai ras-le-bol. Tout ce que j'ai posté, j'ai été lucide. Je me suis défendue, c'est d'une violence absolue, innée. Jamais en France j'ai entendu à la télé ce genre d'affaires. C'est très singulier, je crois que je mérite gratuitement que ça soit retiré. J'ai pas à payer pour faire retirer le vomi de Madame Caroline Christa Bernard et de ses complices racistes. Je passe à cause d'elle pour une djihadiste du Bataclan. Il y a des gens qui l'ont cru. C'est insupportable à vivre. Et le pire, c'est que cette psychopathe précieuse qui se croit belle, qui se croit intelligente, qui se prend pas pour de la merde, vit comme si de rien n'était pendant ce temps. Moi, je ne trouve que ce n'est pas normal. Et toutes les télévisions ne l'invitaient pas. C'est une folle. Elle est raciste. Lorsqu'on m'harcèle moralement et nationalement, on viole mon existence pour la réduire en cendres. Citation de Zina Laïfia. Il est évident qu'avec toi, Caroline Christa Bernard, je te tutoie parce que t'as aucun respect vis-à-vis de moi. La terre deviendrait une terre de laideur sous le régime du Führer. Ton racisme va te tuer et te faire interner comme ton père qui a voulu tuer ta mère. Tu es une déséquilibrée aux multiples facettes qui est passée sur LCI. Tu te dis juriste, c'est ce que tu dis, hein. Moi je m'en fous que tu sois ça ou rien, j'en ai rien à foutre.
tu retires ton vomi et tu dois être puni par la justice car tu me radicalises avec les assassins du Bataclan, ça va loin. Vous avez mis djihad dans les deux pages où vous parlez de moi. Ça va trop loin et puis vous vous foutez de la gueule de ma grand-mère. Ma grand-mère qui était polonaise. Donc faut arrêter de vous en prendre après ma famille, je commence à en avoir ras-le-bol. Et puis sur ma santé, ça a un impact. Je suis assez fragilisée pour X raisons, mais ça n'empêche pas que j'ai toute ma tête, contrairement à toi. Toi, tu es une déséquilibrée et tu as besoin d'aller te faire soigner, je pense. Ça va trop loin. Tu dois être sanctionnée avec tous les gens qui ont participé à cette mascarade, cette cabale contre mon nom tunisien. Et pour terminer, monsieur Serge Gainsbourg, il ne t'aurait jamais apprécié. Car tu es une raciste, tu es bête, et par rapport à moi, et par rapport à plein d'autres femmes, tu es très quelconque physiquement. Donc arrête de te prendre pour quelqu'un qui a une beauté singulière comme Brigitte Bardot ou autre. T'es vraiment en dessous de la chaussure de toutes ces muses à Serge Gainsbourg. T'es rien du tout.